Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboid. On est dans la saison 2, on est en train de se préparer à investir le Twiggies, qui cette fois, pour une fois, n'est un peu moins dans la merde. Bonjour Ketox, bonjour Damned, bonjour Slan, vous êtes toujours avec moi. Ouais, toujours. Et c'est le seul qui s'est fait tuer parce qu'il s'est fait écraser par Slan. Mais t'es revenu. Et t'as presque réussi à te retenir de te venger en plus. Et c'est bien parce que j'ai fait des efforts. Hein. C'était dur, hein. J'ai pris sur moi. Là, je voulais le défoncer. Ah, on a plus trouvé de scie en fait. Ah, bah là. Qu'est-ce qui se passe ? Je me demandais où était ma scie, puis je me rappelle qu'elle était dans mon autre perso. Ouais. Tu vas chercher la voiture rouge, Damned ? Ah, je vais chercher toutes les voitures, ouais. Est-ce qu'on m'entend ? On t'entend ? Là, non, t'entends. Ok. Ah, mais y'a pas la clé sur celle-là. Y'a une clé qui trône par terre, là, on peut la mettre des bois. Est-ce que vous avez commencé à tourner ? Oui. Tourne, là, coucou, Slan ! Coucou, Slan, sans moi ! Eh, mais... Salut les gens ! Salut tout le monde ! Bienvenue dans l'épisode. Ah ouais, non, mais tu répondais pas quand on disait bonjour, aussi, alors... Non. On a peut-être une quatrième voiture, peut-être que Slan pourra conduire. Non, il me faut un tournevis. Moi, je bricole les bagnoles. Je m'en fiche, je vais les conduire. Oh là, il y a quelqu'un dedans. Pas d'essence. Alors, le plus important pour moi qu'il me faudrait, c'est tournevis et chalumeau. Ah, et j'en ai croisé, mais je les ai plus. Je sais pas si c'est une référence, mais dans cette voiture blanche, quand tu ouvres le capot, enfin le coffre, il y a un cadavre. Ah, c'était que. Ah ouais, sympa. Attends, je vais le déposer un peu plus loin. On a une nouvelle voiture. Voir si il y a des trucs dessus. Belle île. Ah, cadavre. On a une grosse berline bleue. J'arrive avec une grosse berline bleue. Ah, c'est le cadavre là, il était dans le coffre. Ah, c'est dégueu. Tiens, regarde, ça te plaît comme voiture, ça, Slan ? Ah, c'est super. Tu m'amènes à la boutique de bricolage, s'il te plaît ? J'ai plus beaucoup d'essence dans celle-là, par contre. Bah, c'est tout près, t'inquiète, c'est en plein centre-ville, y a pas de danger. Gauche, j'aime tout droit. Pas trop quand tu dis ça. Gauche, tout droit. Genre, moi, je te crois. Moi, je le croirais pas, mais après. Parce que je le croirais pas, ouais. C'est que je le croirais. Tout droit. Alors, je vais. Gauche. Mais je peux pas aller à gauche là. Cette gauche là. Bah. Non, ça c'est la droite, ça, tu vois. Ça c'est bah, le... Oui, c'est bien pour ça que je dis que ça me dérangeait. Ah, bah, il y avait une rue avant, mais c'est pas grave. C'est pas grave, là, on est derrière. Donc gauche. Non mais c'est... Moi, je vais désuyer la pièce à côté. Il y a la pharmacie. Non, hop. Vas-y, donc là à droite maintenant du coup, c'est la même gauche que tout à l'heure. C'est bonjour, je te prends pour un. Une clé là. Une clé de quoi ? De bagnole ? Par terre. Tu la vois ? Ouais, mais on en a plus besoin là. Laisse là ce qu'il faut. Je continue. Donc là maintenant, voilà, à droite. Et là la super boutique, elle est là, tu descends, stop. La boutique de la mort qui tue, elle est ici. C'est même ouvert, hein. C'est dingue. Couteau de chasse, tournevis, des scies, baguettes de soudure, des marteaux, colle à bois très important, corde. Ah, colle à bois, corde, Chatterton. Chatterton très important aussi. Super glue. De pêche, on prend. Super glue, n'oublie jamais la super glue. Au corps Chatterton, bâche, très important. Couteau de chasse au corps, tiens, on va le prendre. Des scies, pieds de biche. Hache. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais par contre, je suis quelqu'un d'hyper organisé et hyper méticuleux, donc je vais ranger les trucs dans des trucs et il faudra bien le respecter. Hein. Eh bah écoute, range des trucs dans des trucs. Ça commence à être fait. J'ai fait l'étagère avec tous les livres, je suis en train de faire la caisse avec tous les produits de. Je suis en train de tout faire là. Moi je ramène beaucoup, alors je vais être complètement surchargé et me faire mal au dos, mais on va ramener beaucoup d'outils. Ouais, moi c'est pareil, je suis en risque de blessure au dos là, c'est peut-être pas très très malin ça. Bah si t'es dans la maison, c'est pas très intelligent en effet. Non. Par contre, sache que ça fait monter ta force si tu cours, ta force et ton endurance, c'est la meilleure façon de monter la force et l'endurance. Ah c'est plein. Ah ouais. C'est plein. Va falloir aller remplir le coffre là avant d'être complètement bloqué. Je prends une nasse pour celui qui fait de la pêche. Hein. Ok. Ouais, j'en ai pris une aussi.
Moi, je fais le tour des zombies qu'il a écrasés par terre, parce que j'ai déjà trouvé un grand sac de rando. Ah oh ouais, la chance. Voilà ce qu'il fallait. Fil de pêche, tiens. Un deuxième sac de rando. Oh là là, corde. Oh, il y a une pomme dans le coffre. Bah, je vais la bouffer. Ah, une montre. Ah, il est 15h30. Je commence à charger un peu le coffre. Hein. Ah ouais, parce que là, moi, j'en peux plus, là. Faut que j'y arrive. Et juste à côté, si ça t'intéresse, c'est un primeur. Faut aller prendre la bouffe très vite. Hein. Eh bah, oui, avec plaisir. Alors tu prends rien de ce qui est dans les frigos, hein. Que les fruits et légumes qui sont pas dans les frigos, et dans le pire des cas, tu les mets dans les frigos. Ok. Alors il est où ton primeur? Juste à côté, avant. C'était celui d'avant. Celui d'avant. Bah, par contre j'ai pris 4 marteaux, c'est vraiment trop, on en a pas besoin. Ouais, j'en ai pris 5 aussi. Ah putain, il y a une armée de zombies qui est planquée dans le coin. Non, tourne-toi débile. Tiens. C'est moi qui ai de me tourner. Tu me parles comme ça, toi? Tu me parles comme ça. Are you talking to me? My wife? You fuck my wife. Bon, est-ce que je peux tout déposer pour le rangeur Ouais, tu peux tout déposer, je me débrouille. Tu mets ça dans le coffre de la bagnole, ou ce que tu veux, par terre. On peut pas perdre du temps à lire, donc il va perdre du temps à ranger. Et vous savez ce que j'ai fait? Il y avait même des poubelles, enfin des poubelles étaient sales dedans, et ben je suis en train de transférer les poubelles dehors. Je fais ça bien, vous avez vu, je vide les poubelles et tout. Ah, il est bien ce petit. Moi j'aime bien quand c'est rangé. Hein. Parce qu'après les trucs, c'est où, je comprends pas. Non, vous allez voir, moi je vais passer 2 heures ici. Mais... Ah ouais. Du poivre. Bah ici tu vas trouver ton bonheur. Hein. Alors attention, là, je te drop une hache dans le coffre si, au cas où. Pas de soucis, bah de toute façon pour moi je vais tout regrouper ensemble et après on s'équipera. Tu peux passer d'une boutique à l'autre, hein. Y a un appart commun. J'ai mis le sac de randonnée aussi, ça peut être plus ferme facile les pour portes, toi. Ça me stresse les portes ouvertes. Ça marche, mais tout ouais. Ça c'est des frigos, ah, ok, d'accord. Ouais, attention, je vais ouvrir à l'arrière pour faire rentrer le zombie qui tape là, voilà. Des cupcakes, des chips, allez on ramasse. Ça peut servir. Ferraille de pêche, ficelle, fil de fer, ferraille. Du miel? Canne à pêche. Ah ouais, des cannes à pêche, y en a plein. Hein. Trouver une deuxième hache. Oh! Un cadenas, un objet extrêmement rare. Sérieux? Oui. Bah on est en multi. C'est cet objet, je le vois jamais en solo, moi. Bah c'est ce truc qui te permet de... Voilà. De faire une clé personnalisée sur une porte en fait. Tu peux créer une porte et mettre une clé du coup. Quand tu mets le cadenas sur la porte, bah ça te crée la clé dans ton inventaire. Ah, sympa. Sinon, tu te fais une base, ouais. Mais tu peux pas la fermer. J'ai trouvé une clé en croix. Masque de soudeur, youpi. Alors du coup, il me manque les chalumeaux, mais je crois que on a peut-être trouvé un. Bon, je crois que j'ai pillé tout ce qu'il y avait à piller. Est-ce que les bougies, c'est intéressant? A priori, je vois pas tout de suite de quoi ça pourrait servir, mais... Par contre, je vois pas du tout où est la porte commun pour rejoindre l'autre magasin. Ah si, la porte est planquée là. Voilà, avec les... Et là, on est dehors, ok, très bien. Fermons la porte, du coup. Hop, voilà. Et si on monte cet escalier, qu'est-ce qu'il y a en haut? Un appart, l'un des meilleurs endroits pour démarrer en début de game. Quand on veut être en centre-ville, par contre, ça c'est... Pas sûr. La pêche pour les nuls, hein. Toujours bon à prendre. Ah oui. Du désinfectant. J'ai plus de place. Oui. Il entre. Après, on peut aller à la pharmacie avant de revenir, hein, s'il reste de la place en voiture. Mais je pense qu'on est bien plein là. Oui, je pense que ça va commencer à être plein. Hein. Par contre, je suis déçu. J'ai au niveau soudage. Un sac marin. C'est bon ça. Moins bon que les sacs de randonnée. Ouais, mais moi j'ai un sac à dos lambda pour l'instant. Ah bah oui, c'est clair. Moi j'en ai pas de sac. Où es-tu, sac marin? Non, pas déposé, putain. Débile. Qu'est-ce que je veux manger? Un cornichon, tiens. Alors attends, faut que j'enlève ce sac à dos, c'est ça? Comment on fait? Pourquoi la voiture elle démarre là d'un coup? C'est pas possible, c'est moi qui ai la clé. Ah, pourquoi la voiture démarre? La voiture ne démarre pas. Bah, pourquoi? Parce que c'est moi qui étais plus loin qui. Ah, démarrage, j'ai trouvé un radio van. Mais il a pas de. Ok. Et pas d'essence. Il est sur le parking du Mart.
Je vais rentrer dans la voiture et mettre la clé dans la boîte à gants. Est-ce qu'on peut mettre le sac à dos dans le sac à dos? Putain, on peut mettre le sac à dos dans le sac à dos, ouais. C'est beau ça. Voilà. J'ai pas de montre, je vais au motel m'en chercher une si tu veux venir avec moi, mais bon. Il est 17h30, pourquoi donc il va falloir faire attention. Bah dans ce cas-là, je t'attends. Par la nuit. Alors attends, t'es où? Devant le food market. T'as la voiture? Voilà. Je cherche l'escalier pour redescendre, c'est par là. Hop. Est-ce qu'on y va en voiture ou... Non, non. Alors attends, je pose juste mon sac. Tant qu'à faire pendant qu'on est là. Il n'y a pas la place de poser le sac, très bien, pas de soucis. Du coup, tu es parti vers le bas. Non. Non, absolument pas. Tu es parti où? J'arrive, je vais au carrefour. Ah, tu es là. Ok. Donc le concept, c'est qu'il y a des... Il y a plein de petites chambres ici. Attention, il y a un zombie derrière toi, ouais. Là, il y en a un là. Et là, on va dans l'étape de nuit, dans les... On va trouver... Bon, je vais faire la suivante. Ouais, merci. Ok. Ah putain, il y a un zombie dedans. Alors, oh, serviette de bain, coussin, drap... Blabla, haute colonne. Attention dans les. Comment ça s'appelle? Dans les salles de bain où tu vas trouver des zombies cachés. Ouais, j'ai déjà remarqué ça. Rien là. C'est bizarre quand même que j'arrive pas à les tuer. Écoute, je ne sais pas moi. Ah bah non, elle a pété la fenêtre, la zombie. Ah putain. Ah, y'a plein de zombies là. Bonne chance. Est-ce que tu t'es fait croquer? Non, 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 je t'ai pas fait croquer, pas non plus abusé. Foutez pas de ma gueule, je les tue quand y'a plein de zombies. Ah, kit de premier secours, voilà qui est bien. Oh, sympa. Oubliez pas que les kits de premier secours, en fait, c'est des sacs. Il faut les ouvrir. Voilà, il y a alors, flacon de désinfectant, des antidouleurs, c'est pas mal, c'est pas ce qu'on cherche, mais c'est pas mal. Mais n'oublie pas de fouiller les poubelles aussi, hein. Les poubelles, il y a des poubelles? Oui, il y a des poubelles. Ah oui, poubelles, les poubelles, j'avais pas vu. Effectivement, ça ressemble à une poubelle, je te l'accorde. Tiens, il y a une alliance ici, si t'as besoin. Ouais, non, j'ai déjà dû en laisser quelques-unes. Ah, moi aussi. J'ai fait mon deuil, tu sais. Y'a pas de montre, c'est pas vrai qu'y'a pas de montre. Bah écoute, ça court pas les rues en tout cas. Hein. C'est scandaleux. Moi je suis sûr, cette dame-là, il les a toutes prises encore. Qu'est-ce que j'ai fait encore moi? Bah y'a du fond de teint, c'est déjà ça. Ah bah on est sauvé. Oh, salut. Les antidépresseurs, ok, très bien, c'est pas mal. Dame Ned, il a failli se prendre un coup de couteau du bas vers le haut. Là c'est pas moi. Hein? Mais non, je suis... C'est pas possible que ce soit moi. Hein. Ah, ça c'est la salle de stockage, il y a une cloche, hein. Trop bien. Avec la cloche, la même cloche que d'habitude. On peut la sonner? Non, on peut pas la sonner, c'est une idée de merde peut-être. On n'a pas trouvé comment la, comment la sonner nous. Ah, c'est vrai. Faites pas bien votre job, hein. Il y a un pistolet sur ce cadavre, tiens. Bon, bah écoutez, j'ai pas trouvé de montre, je suis déçu. Et une clé aussi sur ce cadavre. Je ramasse, on verra plus tard. Bah pareil, ouais, pas de montre, c'est un peu la dèche. T'as une voiture ou pas, Katox? Non, il y a le... Bah de toute façon, c'est pas très loin. Non, mais t'es pour savoir si on allait tous les deux faire un autre magasin pendant que le signe ramenait la bagnole. Non, non, la voiture... La radio van qui est juste devant toi. Quelqu'un a besoin d'un livre en urgence? Un livre en urgence? Alors, je dirais pas forcément en urgence. Bah si, il faudrait l'avoir avoir tous vos livres lus rapidement, hein. Ouais, mais moi je sais toujours même pas comment on lit, ni comment où on se met, ni comment ça se passe, donc du coup... Bah tu te mets à l'étage chez nous, et puis tu fais clic droit, lire. T'attends. Non, c'est une minute, on a réglé ça sur une minute. Ah oui, d'accord, bon ça va, t'attends pas trop alors. Bah de toute façon je suis plein à craquer moi, donc faut que je rentre. Bah moi je vais à la bibliothèque là. Bah écoute, je vais rentrer, essayer d'aller bouquiner un peu du coup. Bah moi je suis Enigma Book là. Si tu veux me rejoindre, Katox. C'est où? Enigma Book. C'est en dessous? C'est dans la grande route, tu continues. Je crois que c'était ouais, bah, vers nord ou sud? Hein? Nord ou sud? Bah ouest.
en haut à gauche. Pour monter quoi. Alors la menu. Voilà, il y a plein de zombies morts là par terre. Je pense que c'est là que je suis passé. Stop. Oh putain, ça va vite cette caisse. T'as une caisse rapide. C'est nul ce qu'il y a ici. On peut pas passer là. Le travail des métaux experts, oui. C'est qui a garé sa bagnole comme un comme une cave là? Comme une quoi? Comme une cave. Il y a la voiture bleue qui est devant le Twiggies là. Elle empêche complètement pas moi, de manœuvrer. Moi j'ai rien garé. Moi les miennes sont bien. Bah surtout que c'est la fameuse bagnole où on n'a pas retrouvé la clé. Donc moi j'ai voulu la déplacer mais il n'y a pas la clé donc. Ouais bah la mienne est trop grosse pour passer du coup. Bah voyons. Bah tu peux passer par entre le poteau et l'arbre? Ah peut-être pas non, peut-être avec la tienne tu peux pas du coup. Bah écoute, ça m'a l'air un peu juste, hein, je vais tester mais. On va se faire striker sur YouTube. Ça ne passe pas. Pourquoi on se ferait striker sur YouTube? Je ne comprends pas. Bah, la mienne est trop grosse pour passer, tout ça. Ah ouais. Oh là là, mais tout de suite après, si les mecs ils ont pas d'humour aussi. Hein. Bah. Ouais mais c'est chaud de contourner là. Putain, ça passe là peut-être. Bon bah j'ai pris quelques livres pour moi du coup hein. C'est passé. Ouais, les autres, je me gare. Les autres ils iront chercher leurs livres. Je rentre à pied. Bah oui bah du coup la seule bagnole est partie donc. Du coup t'as un... si tu veux t'as un coffre plein dehors. Oh ouais j'en ai déjà un que j'ai pas fini de vider donc je vais aller m'en occuper petit à petit. Alors si tu veux des bouquins, ils sont tous dans l'étagère de gauche là, t'as tous les bouquins. Ah ouais moi je voulais mettre mes fruits dans le Ah bah fait, ça marche aussi. Ce qu'il faut que je fasse c'est que je pose, enfin que je pose ce sac à dos. Alors pas là, non, sur le sol, préférence. Hop, puis après que temps de démarrer la voiture. Dépose l'autre. Y'a pas des zombies peut-être? Sûrement Slan qui a trouvé du trou une voiture quelque part. Quoi que j'aurais peut-être pu les mettre à l'étage les bouquins, ça aurait été mieux en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose pour mettre les bouquins à l'étage? J'adore. Alors on reprend ce sac à dos là, voilà, donc on est trop lourd. Alors non par contre la poubelle est pleine à l'étage. Ça ça me va pas. Y'a une masse dans la poubelle. Y'a une masse dans la poubelle. Mais combien de masses on a trouvé finalement? C'est incroyable. Ouais, la masse de la poubelle, c'est moi parce que j'avais pas d'autres trucs. Ah ouais, bon, tu me rassures parce que j'allais dire les mecs. On en fait quoi de la masse? Oh, tu la mets dans la poubelle. Vas-y, range ça bien. Ok, bah je redescends tout alors. Je vais au Gigamart récupérer des trucs pour monter mon électronique. Ah bah non, c'est de la bouffe ici, c'est vrai. Ah bah faut faire le Gigamart. Katox, tu viens avec moi faire le Gigamart? Bah quoi, le gros magasin plein de bouffe là? Oui, ah bah justement, il faut enlever toute la bouffe des présentoirs. Et les mettre dans des frigos. Bah... ou la ramener chez nous, mais chez nous je crois qu'on a pas beaucoup de frigos donc. On a un frigo, il est plein à 15 sur 52, donc il y a quand même de quoi se faire plaisir encore un peu. C'est marrant, ouais, par contre, j'ai toujours pas soif depuis qu'on a commencé cette partie quoi. Ah bah ça y est, moi, au moment où tu l'as dit, c'est apparu. Ah mais normalement j'étais censé être quelqu'un qui avait très vite soif donc. Ah moi j'ai faim par contre, je mange. Bah ça, bout. En fait, la soif elle vient quand tu fais des choses. Ah c'est bien, t'as ramené du chocolat, bah je mange un chocolat, tiens. Est-ce qu'on a de quoi... on a pas de quoi cuisiner ici? Non, y'a pas de micro-ondes. Non, y'a rien du tout. Ah si, y'a juste un micro-ondes, pardon, je crois, c'est ça. Où est-ce que t'as mis les cigarettes Alors, les cigarettes, attends, faut que je me souvienne où je les ai mis. Bah, si, c'est bon, non, je me suis souvenu, dans la salle de bain. Non, vous fumez pas à l'intérieur, hein, vous êtes gentil là. Mais non, mais j'ai 60 cigarettes à poser, alors ça suffit, hein. Elles sont dans la salle de bain, tu verras, dans un meuble, j'ai mis tout ce qui est soins là-bas, enfin soins, déstress. Je suis organisé, ouais. Où est la salle les toilettes, pardon. Ah, attends, je découvre ce truc. Hein. Bah, je mets dedans le désinfectant et compagnie aussi, tant qu'à faire. Yes. Je ramène 40 paquets de chips, de soda, de cupcakes, enfin de la bonne bouffe. Putain, quoi. On va pas avoir assez de place, je sens que je vais commencer à angoisser parce qu'on va pas avoir assez de place. Mais je peux t'en fabriquer de la place hein, dès que j'aurai un peu de talent. Ouais, c'est bien, tant mieux. Il est où mon sac à dos que j'avais posé par terre? C'est toi qui l'as pris? Non. Non. Tu l'as mis dans l'autre sac? Non, mais justement, j'avais reposé l'ancien pour pouvoir prendre celui qui était plein pour déposer les fruits et je suppose j'ai foutu l'autre. Bon, ouais, là je suis à 39 sur 50. Le jeu de cartes, c'est pour déstresser? Oui. Ok, bah hop, dans la salle de bain, allez hop. Je vais aller poser les cadavres dehors déjà pour commencer. Ah ça c'est une bonne idée. Si t'as une pelle, autant creuser une tombe aussi, tant qu'à faire. Hein. Bah il faut que je la répare ma pelle, donc bon. Bah Shatterton et puis ça... clic droit. Alors attends, il est où le cadavre? Batte de baseball... Ah bah il est là mon sac, très très bien. Pourquoi je le vois pas le cadavre? Ah il est dans mes mains, d'accord, ok, très bien.
Est-ce qu'on peut démonter les portes? Oui, oui, oui. Est-ce que t'as un sac d'Amned ou ça? Il faut un tournevis. Un sac. Dépose tout au sol. Tu peux le déposer au sol avec tout dedans? Attends, ce que je peux faire, c'est vider le coffre. Non, c'est cette voiture-là. Parce que... Moi, là, ah, putain, mais il y a un rampant, là. J'ai plus d'armes. Ah, j'ai plus d'armes. Attends, j'arrive. Ouais, non, non, mais il faut que je la rééquipe, c'est bon. Cela dit... Allez, je vais pas pouvoir arriver jusqu'à vous. Je porte vraiment trop de trucs, là. Je vais me faire trop mal. Non, c'est le coffre que je veux. Voilà, le coffre. Damned, ça te dérange si je dépose ici? Parce que là, je suis mourant. Hein. Non, non, démerdez-vous. De toute façon, débrouillez-vous. Enfin, faites comme vous voulez. Non, mais il faudrait les récupérer. C'est des trucs à mettre au frais, vite fait. Ah, bah, je m'en occupe. Pas de soucis. Pas de problème. Je vais le faire. Ok. Moi, je fais le tour de ce qu'il y a sur les étals pour les taper dans un frigo. Laisse-les moi, je m'en occupe. Voilà, bah là faut que j'aille me soigner un petit peu. Alors, je vais récupérer ça. Pourquoi donc ça? On fout là. Hop, merci. Montre. Hop. De quoi j'ai besoin de mes livres, mon masque de soudeur. Y'a un sac alors pour moi? Ouais, j'ai un sac si besoin. J'ai un sac de randonnée si tu veux aussi. Ah ouais, je veux bien. Ouais. Attends, je te le donne. Tu peux porter où? C'est un sac à dos lambda que j'ai, moi. Ah mais là, je veux bien deux sacs, de toute façon. Hein. Je te l'ai mis à l'entrée du Twiggies. Merci. Bon, bah, je pose par terre parce qu'il n'y a plus la place de poser. Hein. Je suis bien désolé. Ouais, pour les outils, là, ouais, les objets, ouais, il faut que... Ouais. Pour le moment, va falloir que je réorganise tout ça. Je te rappelle que ce que j'ai mis dehors, c'est du frais, qu'il faut que ça aille au frigo très vite. Ouais, ouais. Juste, tiens, les déplantoirs, ça sert à quelque chose d'en avoir plusieurs ou on s'en fout? Oui, ça peut servir, mais pas tant que ça. D'accord, ok, bon. Allez, quand je dis très vite, c'est qu'en fait, si tu laisses... Ouais, j'y vais, ça y est. 3 heures... Non, non, mais ça y est, j'y vais tout de suite. Pas du tout. J'y vais tout de suite. C'est ça, là, avec la trousse de soins et tout, là? Ouais, voilà, ouais. Attends, non, ça c'est pas du frais, ça. Bah, y'a plein de frais. Hein? Sur le sol, regarde le sol, pas la trousse de foin. Bah... Ah oui, oh la vache, oui, ok. Bah oui. Oh la vache. J'arrive, je vais te filer un coup de main aussi. Bah je peux maintenant que j'ai un sac, ceci dit. Bon non, il va se débrouiller, t'inquiète, ça pèse pas très lourd. C'était vraiment... Non, c'est bon, t'inquiète, ça va le faire, c'est juste le temps que je ramasse. Ah, y'a un deuxième sac ici, je crois que c'est pour moi. Ouais, je l'avais posé, ouais. Super. Alors, mon couteau de chasse, il est à 1000 life, ok, très bien. J'ai des chips, ça sert à que dalle, là. Du beurre de cacahuète, on va le manger, on va le finir. Ouais, bah laissez-moi tout ce qui est grave. Ouais, mais c'est un beurre de cacahuète que je fais durer depuis le début de la série. En fait. Il est sec, c'est collé et tout. Ouais, mais c'est ce qu'il me faut, moi. Il est à l'arrière de mes poches depuis... Non, mais il restait juste un quart dedans. Bah, mais c'est fou, ça. Il a piqué le beurre de cacahuète. Non, mais c'est bon, il avait que ça à bouffer, quoi. Hein? Eh, oh. Poupouille. Le cuisinier qui se tape du beurre de cacahuète. Eh, vous avez trouvé un truc où on peut rien... Voilà. Alors, poupougne. Je suis en train de vider la voiture rouge. Voilà quoi. Volontaire qui sert de bibliothèque. On peut pas ranger les trucs par frais. Non, on peut pas ranger les trucs par frais. Dommage. Alors, j'ai des chips si tu veux, par contre, Slan. Ouais, je veux bien. De toute façon, j'en ai ramené 15 paquets, je crois. Je te les pose par terre, Jean, par exemple. Ouais. Puis à côté de la voiture rouge, là. Je t'ai posé 3 paquets de chips par terre à côté de la voiture rouge. Et je suis triste aussi. Il me faudrait un magazine ou un comic. Je sais pas si on a ça. Ça me dit rien. Tant pis. Alors, je vais essayer de trouver un truc de... Voilà, cuisine conviviale, certaines recettes sont déjà connues, ah zut. Champ et potager, bien utiliser un générateur... Ouais. Merde, y'a rien d'intéressant pour moi, la tristesse. Attends, j'ai un truc de cuisine volume 1, mais il y est pas déjà? Ah si, cuisine conviviale, tu l'as déjà lu? Ouais, le volume 1 et le volume 2. Par contre, c'est marqué... Non, c'est marqué vous avez déjà lu ceci, ok. Ouais, heureusement qu'il le met, hein. Je dépose des livres au milieu du... De toute façon, je dépose tout au milieu, moi. Ouais, bah j'ai cru comprendre que je suis dans la merde pour ranger. Ah, c'est toi qui l'as dit, hein. Fabriquer. Non, mais je m'attendais pas à autant de bordel, quoi. J'ai ramené quelques couteaux de chasse si quelqu'un a besoin. Quand je dis quelques, c'est que j'en ai 3. Ah, ça, je vais le prendre, ça. Et il faudrait enterrer rapidement les cadavres s'il y a quelqu'un qui est en forme. Ah, moi je peux pas, je suis essoufflé. J'arrive pas à récupérer avec tout ça. Je vais aller creuser une tombe. Moi je suis en train de tout rassembler dans un seul... A la limite fais ça avec alors. Le signe noir s'il est pas trop fatigué, comme ça vous gérez les cadavres. Bah attends, je lis un livre pour tester. Attends, par contre il prend 30 ans à virer une pastèque de son sac quoi. Mec c'est une pastèque quoi.
Ah bah attends, c'est gros une pastèque, hein, ça se coince dans les poches et tout. Ah bah ça se creuse plus vite qu'avant les tombes, je peux vous le dire. Hein. Mais y'en a des pelles. Bah oui, moi j'avais une pelle mais elle était quasiment cassée donc j'ai arrêté de l'utiliser. Mais... Bah j'ai creusé une dizaine de tombes. Ah oui. Bon, dans le grand magasin y'a un frigo qui est plein à craquer. Super. Oh la vache. Ouais mais le frigo, on a pas assez de place dans le frigo je pense. Hein. Il est déjà presque rempli. Déjà ? Il est à 26 sur 40. Il est pas rempli, mais il est bien avancé, quoi. Parce que la bouffe, on peut encore bien stacker. Ça prend pas tant de temps que parce que ça, quoi. Non, mais... Est-ce que... Il est où le coin bricolage avec le Shatterton et les outils ? À l'intérieur, il faut que tu viennes... Voilà, dans la caisse à droite. La caisse. Ah mais j'ai lu le livre et ça m'a... En fait c'est un multiplicateur d'XP, d'accord. Okay, ouais. C'est pas ouf. Comment ça c'est pas ouf si, c'est super. Bah oui, enfin après faut que je fasse de la recherche quoi, en l'occurrence. Mais... Ah bah oui. Tu les as mis où tes tombes Dehors, à gauche. À l'ouest. Alors, à gauche. La gauche de Slan. Aidez-moi les joueurs. C'est la normale. C'est celle qui est à côté des... À l'ouest du... Donc au nord, en haut, à gauche de ton écran. Putain, je vais tomber dedans, je sens. Non mais en fait je vois rien dehors quoi, c'est pas possible. Bah de toute façon tu vas en pleine nuit donc pour le coup... Ouais non mais déjà que je vois rien quand je suis dehors là c'est complètement le drame. Hop, on va poser le cadavre là, déjà il sera pas dedans, ça sera toujours ça de prix. Comment je fais pour réparer la pelle déjà? Bah j'ai pas trouvé donc... Oh moi je dois trouver. Dehors, ok. Oh le bordel. Je vais équiper une scie. Ah, il est encore plein ce coffre là. Il y a du Shatterton là si besoin. Ouais, bah j'ai du Shatterton sur moi. En fait, depuis tout à l'heure, je veux vider les trucs, mais j'ai même pas le temps en fait. Vous me ramenez tellement vite les trucs. Bah tant mieux hein. Il y a c'est plein parce de marteaux. Ah, bah ils sont où les marteaux? Ah, bah là ils sont dans le. Non, mais les marteaux à l'intérieur, il y en a plein dans le. Juste à côté du frigo. Tiens, marteau, tu veux? J'en ai un sur moi, tiens. Hop, prends-le, ça m'arrange. Merci. Je préfère. Je sais pas quoi en faire. Et le multiplicateur qu'on gagne en lisant, il reste ou Il est définitif, oui. Ah, d'accord, ok. Ah oui, donc c'est effectivement... Par contre, c'est pour le niveau 1 et 2. Oui, bah j'ai vu, ouais, pour le niveau 1 et 2, ouais, mais c'est déjà ça. Et après, faudra réapprendre. Ah oui, mais je pensais que c'était genre, il fallait que t'en fasses tout de suite, sinon ça disparaissait tout seul au bout d'un certain temps, quoi. Non, c'est définitif. Je sais déjà ça. Ah zut. Ce livre est inutile. Bon, bah, ce livre est inutile. Okay. Si marteau, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il faut pour réparer la cale, je regarderai entre deux épisodes. Alors, bon, voilà, tout le magasin est centré dans un frigo. Alors, la pelle cassée, excellent Katox, fais quand même gaffe en revenant. Ah ça c'est ouais, des livres. Il fait nuit donc attention à toi. Ce sera dommage que tu te fasses écraser par un chauffard qui a pas de feu. Comment? Ah ça c'est tout. Alors ouais, ça va poser un problème Namned. De quoi? Quand tu ranges. Tu fais attention à pas mettre 38,36 sur 30 parce que pour nous on peut plus rien faire après. Bah ouais mais hey, c'est bien plein aussi donc je suis d'accord mais il y a pas tant de rangement que ça ici. Hein. Non mais je sais mais ce que je veux dire c'est que. Mais nous, je sais. Peut... Oh, si on enlève un truc on peut plus le remettre. Eh bah ouais je suis d'accord. Non mais après j'ai pas fini de bien arranger hein. Mais ouais bien sûr que j'ai bien compris que le but c'était pas ça quoi. Alors qu'est-ce que je vais faire est-ce qu'on pourrait déjà clouer des planches peut-être ou démonter des choses? Oh, il y avait encore un stock derrière que j'avais pas vu. Oh, dame. Bah, il a commencé à mettre des bâches. J'ai mis un drap moi. Un drap. En fait, moi ce qu'il faudrait c'est que je m'entraîne maintenant. J'ai soit des draps moi, je vais les poser là. Soit la menuiserie. Et qu'il y a des trucs que vous voulez qu'on enlève en haut? Les billards? Je sais pas, on peut y jouer. Bien sûr. Non, j'étais pour vous faire gueuler les billes. Revendiquer l'abri. Il y a quelqu'un à l'intérieur, mais je peux pas du coup. Ah oui, quelqu'un à l'intérieur, ça veut pas dire qu'il y a un zombie, ça peut être un humain. Ouais, c'est ça. Ah, faut que je sorte, c'est ça? Non, je vais pas le revendiquer. Bah, il faudra le faire un jour pour qu'on puisse tous repop au même endroit. Ouais, mais il faudrait d'abord qu'on fasse une faction. Ça sera un seul. Ah, là, il y a de quoi cuisiner ici, très bien. On peut faire des factions. Poivre, ici. Ouais. Ok, j'ai soif déjà pour commencer. Bon, et déjà je suis plus fatigué, je peux recourir. Alors, vous avez de la bouffe dans le premier étagère, des boissons dans la deuxième. Je sais même plus quoi vous dire moi. On a des marteaux quelque part. Vous m'avez dit les cigarettes, c'est où?
Les cigarettes sont dans les WC. Ouais. Tout ce qui est anti-stress est dans les WC, dans le meuble de gauche. Dans le meuble de droite, c'est pour se soigner. D'accord. Comment c'est organisé? Ah, il en faut un comme ça, hein. Donc je prends ce rôle-là, ça me gêne pas. Est-ce qu'on a des clous? On a des clous, parfait. Ouais. J'en ai peut-être pas besoin d'autant. Je vais juste me faire une batte, je sais pas combien il faut. Eh ben voyons, ils vont gâcher les clous encore pour faire des battes. Des gâcher les clous, ça va, on a des millions des clous. Suffit. Ouais, il y en a des millions. Il y a les cigarettes, mais il n'y a pas de briquet qui a été posé avec. Pardon, les briquets un peu partout. Attendez, excusez-moi, ouais, alors les briquets, je vais aller les mettre là-bas alors. Tout ce qui est feu, je vais aller les mettre là-bas. Bah, pas tout, parce qu'il en faut aussi aux côtés des bouteilles. Les bouteilles vides, ne les jetez surtout pas, hein, il m'en faut pour les. Ok, alors je vais en prendre la moitié de briquets et je vais les mettre là-bas. Pardon, je vais pas penser à ça. Est-ce qu'on a un endroit où on pose les armes du coup? L'armurerie peut-être? Ça fait loin, non? Non, bah non, l'armurerie elle sera dans la base. Hein. Ouais, on devra là. Oui, non, mais je veux dire, pour l'instant on n'a pas d'armurerie. Hein. Pour l'instant, les armes, tu sais où tu peux les mettre? Dans le meuble qui fait l'angle à droite, j'ai commencé à mettre des trucs en attendant. Je crois que ça allait dire autre chose. Attends, je te montre. Le meuble qui fait l'angle à droite. Attends, viens. Là. Tout à droite là. Le dernier meuble là. Ah ouais, d'accord, ok. Alors j'ai mis ce qui est arme à feu, hein, je précise. Hein. Après, si tu veux mettre des armes, mets quand même des armes, je déplacerai le reste. Alors, moi, il me faut un chalumeau, là, faut que j'aille démonter des trucs. Je suis frénétique, il faut que je démonte des trucs. J'ai pas trouvé de chalumeau, comment c'est rangé encore? Comment c'est possible qu'on ait pas de chalumeau ici, nom de Dieu? Bah, écoute, ah non, ça par masses, contre, c'est pas. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, je peux pas nettoyer par terre? Si, on peut peut-être nettoyer par terre. Bon, va falloir que je commence à vider les coffres maintenant, tiens, ça y est. Alors. Normalement, c'est le dernier coffre, celui-là. Oh la vache, allez. Réparer. Ouais. Et voilà, mon chalumeau, il est là. On peut peut-être pas réparer la pelle, hein, parce que les autres objets, c'est marqué ce qu'il faut pour les réparer, même si tu les as pas, c'est marqué en rouge, mais. Ouais. Bon, alors j'ai du chalumeau. Mon masque de soudeur, il est où? Il est là. Utilisé en principal, en secondaire, pardon. Le masque de soudeur. De toute façon, ce sera net et arrangé, hein, bien évidemment. En secondeur, le chalumeau en principal. Et tu peux faire quoi avec ça? Je vais aller démonter la carcasse qui est là déjà pour commencer. C'est un bon début ça. Construire, travailler des métaux. Mais vous foutez de ma gueule pour la voiture bleue là. Il y a la clé dans la boîte à gants. Ah. J'ai pas regardé. Oh bah. En plus, il y a de l'essence. Alors. Il est où mon masque de soudeur? Si je dois être honnête, je n'ai pas regardé. Démarre. Pourquoi je peux pas essayer de la rentrer du coup? Putain, je vois que dalle, c'est hallucinant quand il fait nuit. C'est une catastrophe. Je comprends vraiment pas. Y'a un zombie qui te suit. Alors, j'ai mon masque de soudeur. J'ai mon chalumeau. Ouais. Ouais. On va refoutre les clés dans la boîte à gants, je peux faire ça. Toi là. Y'a des zombies qui commencent à arriver! Pas cool ça! Pourquoi cette voiture a encore les feux allumés? C'est complètement con! Ah, putain, ouais, ils arrivent en masse! Je peux pas rentrer dans la voiture! Ouais, c'est quoi ce bordel? Ah! Bordel! Les feux, hein. Ouais, c'est déjà un peu plus intelligent. Ok, c'est nettoyé, c'est safe. Ouais, c'est bon. J'entends encore un bruit, mais je sais pas où il est. Ouais, c'est un peu tendu. Là. Bon, bah, moi, il faut que j'aille comprendre pourquoi cette fichue carcasse, je vois pas la chaîne limotée. Super loin. De quoi? Déjà, tu vois super loin, quoi. De qui? Toi. Tu me dis, c'est là, je te vois courir. Ah oui. Ouais, j'ai un frigo rempli à 50 sur 50 dans le hack. Putain, la mécanique c'est la violence. Waouh. J'avais jamais ouvert un truc de mécanique. Putain, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça calme. Hein. Ah oui, quand ils disent que tout est pris en compte, c'est que tout est pris en compte. Est-ce qu'on peut changer la courroie de distribution? Bien sûr. Non, je crois pas qu'il y ait des courroies. Non, tu vois une courroie toi? J'ai pas l'impression.
Ah, t'as le moteur quoi, mais c'est. Enfin, ils sont pas. Oh putain, y'a un truc qui me saute dessus! C'est bon, il est mort. En fait, ouais, faut que tu sois couvert quand tu t'occupes de ça parce que. Ouais, le problème c'est qu'en fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, avec le chalumeau, j'arrive pas à la démonter. T'as peut-être pas de gaz ou un truc du genre? Bah, si, y'a du gaz dedans, est-ce que j'ai le niveau? J'ai peut-être pas le niveau. Bah écoutez, on va se laisser là sur la tentative de Slan d'utiliser le chalumeau. Et puis on se retrouve très vite pour une tentative réussie d'utiliser le chalumeau. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Salut. Salut.